Mais que devons-nous entendre par retournement? Il faut distinguer ici entre le retournement et la conversion. Le retournement de la force telle qu'elle, à l'identique, sans la modifier, elle la dévie, elle en change simplement la trajectoire. Or, suivre une trajectoire, nous l'avons dit, c'est le propre d'un mouvement qui relie les points spatiaux et non d'un geste qui ne suit rien, mais qui apparaît. Conversivité du mouvement en geste, de la force en puissance, de la potentialité inactive en désœuvrement glorieux. Ce foisonnement notionnel ouvre de nombreuses hypothèses. Ce que contient de juste l'idée toxique de retournement de la force de l'adversaire contre lui-même, c'est qu'elle souligne, à tort certes en parlant de force et de retournement, une relation d'échange entre l'attaquant et l'attaqué, entre l'adversaire et celui qui exécute la technique, entre uke et tori, pour reprendre les termes japonais. Mais il ne s'agit pas d'un échange de retournement, ainsi qu'on peut l'entendre en première approche, car ce serait alors celui qui attaque qui aurait une force qu'il serait prêt à exercer. Or, le japonais indique bien que c'est au contraire l'uke qui reçoit, ukeru, ukemi, accueil, réception, et il ne reçoit pas une autre force, ni un retournement de sa propre force, mais une conversion de ce qu'il y met. Aussi, même si l'opinion commune se trompe sur les notions employées ainsi que leur soubassement conceptuel, elle perçoit tout de même quelque chose de la structure relationnelle mise en action dans la pratique avec un partenaire. La question du corps féminin est décisive, surtout dans l'idée de d'accueil, de retournement, de conversion, parce que le corps de la femme est naturellement, biologiquement, charnellement, plus adapté à l'accueil, du fait même de la réception physique dont il est capable. Réception d'un corps étranger comme accueil d'un utérus ou d'un fœtus qui produirait la maternité. Ce sont de fonctionnements biologiques dont la femme est capable et qui lui permettraient d'être plus efficace dans ses notions de conversion de la force en puissance. Et peut-être un dernier petit mot du fondateur de l'aïkido, Murei Ueshiba, qui disait « Gardez à l'esprit que vie et mort sont toujours devant vos yeux. » Et voilà, ma chère Kaori, et voilà.